Bonjour, monsieur Belmadi. C'est plutôt là. L'ancien président de la FAF, avant de partir, il avait révélé au cours de l'Assemblée générale votre salaire, qui a fait d'ailleurs le chouga de la presse sportive. Et, notamment de votre plateau. Oui, bien sûr. Mmh. On débat de tout, nous, sur le plateau. Surtout de ce genre de choses. En toute impartialité, monsieur Belmadi. Impartialité, vous? Oui, bien sûr. Allez, vous êtes libre. Allez, racontez ce que chose. Vous voulez, monsieur Belmadi. Mmh, nous, on débat les sujets, vous êtes libre. On ne vous oblige pas à nous regarder, vous pouvez zapper. Vous allez vous enfoncer là. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez vous enfoncer. Il n'y a pas de problème. Allah, on fait le débat, il y a des gens qui nous regardent. Allah, vous allez on demande enfoncer. À ce que tout le monde nous aime, M. Belmadi. Nous, on fait le débat et chacun est libre de regarder ou de zapper. Soyez moi, je voudrais juste monsieur. Vous revenir. Est-ce que cela vous a perturbé ou pas, M. Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Ouais, vous voulez parler de salaire pour vous? C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas moi qui a révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Je vous ai dit au cours de l'Assemblée générale. Vous êtes journaliste. Là, est-ce que cela vous a perturbé? Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous? C'est vous qui avez fait des émissions là-dessus? Non, c'est pas moi qui l'a révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Peu importe qui a révélé quoi que ce soit. Oui. Et si ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. C'est vous que ça perturbe. C'est vous qui faites des émissions là-dessus. Merci pour votre réponse. Ouais. Salam alaikum, coach. Soyez pas mal poli en posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire comme ça. Sinon, je vais être mal poli, moi aussi. Vous n'êtes pas bien placé pour me donner... Laissez vos doigts où il est. Respecte, mais... Je respecte mutuellement. J'ai entendu. Mangez pas un chewing-gum si vous me respectez. Oui, je vous respecte. Pas avec un chewing-gum dans la bouche. Pensez qu'il y a des gens qui parlent de vous sur le plateau, ça n'engage que... Moi, ça n'engage que... C'est pas parler, ça. Salam alaikum. Ça, c'est vomir, ça, c'est pas parler.